Salut Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, voilà, on va faire une petite vidéo hors du commun qu'on n'a jamais faite auparavant. Je vous explique un peu, voilà. C'est une personne qui nous a envoyé un message sur notre page concernant sa copine, parce qu'il avait des doutes sur la fidélité de sa copine avec qui il est en couple depuis 3 ans. Donc c'est vrai que d'habitude, on porte pas cas à des sujets comme ça, mais vu qu'on l'a jamais fait, c'était l'occasion. Voilà, la personne était sur Marseille, donc elle nous a contacté et elle voulait qu'on prenne en fiature sa copine pour voir si elle était fidèle, si elle ne trompait pas, etc. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, hein, et on se retrouve comme d'habitude tout à l'heure pour une conclusion. Voilà. C'est elle là-bas? C'est elle, non? Ouais, c'est elle. Ça fait au sport là? Elle fait quoi en fait? Elle va le sport là. Ouais. Ok. C'est. Et après, elle doit faire quoi? Elle est censée faire quoi après? Sincèrement, je sais pas. Ouais, elle doit rentrer à la maison. Ouais. Bah écoute, c'est ce qu'on fait. On va attendre que. On va attendre qu'elle fasse son sport. Et on verra où elle va après. Si vraiment tu as des doutes, si tu veux, nous on reste. Oui, j'ai vraiment des doutes. Eh ben, ce qu'on fait, on attend et on voit où elle va après. Allez, ça va. C'est bon? C'est bon. Allez, ça va. Pourquoi elle le tient comme ça? Je crois que c'est une collègue, non? Une collègue? C'est trop proche. Un peu proche, le collègue, hein, frérot? Tu le connais ou pas? Non, je le connais pas. Non. Enfin, mais tu n'es pas une collègue comme ça, je te le dis. Oh, je vais serrer, frère. Ah, je vais aller. Non, il va pas, frère, j'ai pas. Fais-moi confiance, reste calme, détends-toi, frère. Je pas vu, frère. Non, mais elle va où, frère? Essaye de l'appeler. Essaye de l'appeler, vas-y. Et nos parleurs. Il m'a écrit au téléphone. Hey, Maline, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On essaie de suivre, on fait vite. Parce que ce taille là, vas-y, viens. T'as des doutes, t'as vu des doutes? Ouais. Quand t'en as un doute, normalement c'est pas pour rien. J'ai trouvé sur des messages, sur des photos, des trucs comme ça. Non. J'ai vraiment des doutes. Ça, elle a vraiment changé. Et toi, je crois qu'il y a un mec d'ailleurs. Par contre, là, ils vont dans un endroit assez. Je connais ici, tu vois, les gens qui connaissent Marseille, ils savent. Mais là, c'est un endroit aussi, il n'y a pas grand monde, tu vois, qui passe. Attends, on va les laisser un peu partir. De toute façon, c'est une impasse là-bas, donc peu importe. Tu vois, ils sont obligés de faire demi-tour. Hein. Vas-y, on laisse passer la grise. Mais mis à part le futsal là-bas au bout. Ah, ils vont faire quoi? Du futsal? Ah, ils vont faire un goal à goal. Frérot, c'est Eric, c'est pas que je vais te faire des films, mais à mon avis, frère, ça va partir. Hein, donc, je pense que tu as raison. Si tu as des doutes, c'est pas pour rien. Là, ils vont dans un endroit, frérot, excuse-moi. Ouais, je vais serrer, je crois. Qu'on va faire là, c'est bon, je vois le scan là-bas, tu vois pas? Regarde, filme là-bas au fond. Tu les as vus? C'est bon? Tu les as? Ouais, qu'elle s'est taillée là-bas dans la côte. Frère, c'est ce qu'on va faire avant qu'elle commette l'irréparable si c'est pas déjà commis. Ouais. Parce qu'à mon avis, c'est pas la première fois, hein, frère. Je te le dis honnêtement. C'est pas la première fois que. Pourquoi elle vient se caler ici? Voilà. Parce que là, ce qu'on fait, frérot, là on coupe, on va y aller sur place, on va aller à la voiture et on va voir comment ça se passe. On va voir, et toi tu as des comptes à régler, je suppose, mais voilà. On va être là au cas où ça part en vrille. De toute façon, c'est pour ça que je vous appelle. Là, on est sur place, je suis avec Flaco et Eric, on va aller sur place, il y a la voiture qui est là-bas, ils nous ont pas encore vu. Reste tranquille, frérot. Non, reste tranquille. Ça va rien de s'énerver, frère. Après, je comprends, tu vois, mais. Oh, qu'est-ce que je fais là? Comment, bébé? Qu'est-ce qui se passe là, gros? Gros Viens, qu'est-ce qui se passe là, bébé de quoi là? Bébé de quoi là? De quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Tranquille, qu'est-ce qui se passe? Empêche, je t'explique la situation. Tu as vu elle? Ça fait 3 ans qu'elle est avec lui. Comment après? Elle, ça fait 3 ans qu'elle est avec lui. Après, tu m'envoies des messages, je suis content, ça fait 2 ans ensemble, je sais pas quoi. Non, mais c'est parce que tu crois, bébé. Hein. Ça fait combien de temps que tu le règles? Parce que tu crois, je te jure, bébé. Ah, je crois que c'est chaud, quoi. Tu étais en train de dire bébé, je sais pas quoi, là. Maintenant, comment je suis en train de dire? Le démon, frère, le démon. Après, je t'appelle, tu es sur répondeur en plus. Mais pourquoi tu as le téléphone? C'est pas ma faute, j'avais plus de batterie, bébé. J'ai plus de batterie. Je te montre, frère, maintenant. Vous emboucanez pas. Viens là, gros. Oh, tu lui en fait. Tu une grosse. Arrête, tu une grosse.
Arrête de dire ça, arrête de dire ça, tu te fais passer pour une fille bien, tu planifies bien. Tu es avec lui, ça fait 3 ans, tu te prends, tu te fais foyer dans une voiture. Tu es sérieuse ou quoi? Ah bah putain, bravo. Et ton image de femme, elle est où? Bravo, ouais. Ouais, mais ne niquez pas. Tu l'as rencontré autant? Ah quoi? Les gars, il va tous, c'est bon les gars, il va tous. Parce que tu es avec un mec depuis 3 ans, il te nique pas assez, tu vas voir ailleurs. Bah, j'ai jamais fait de ma vie en fait, c'est ça. Ah, tu es comme le parc Chanot, tu es porte ouverte toi. Mais non, quand même pas. Ah, mais tu parles d'être comme ça. Respecte-le, tu te respectes pas toi. Oh, mais là, vas-y, lui. Je suis une grosse mon pote, mais ça a rien de ce que je suis pour une c'est une en fait, au final, vous êtes niqués tous les deux. C'est une en gros. Ouais, tu m'en voilà. Bien, c'est l'image que tu apportes. Tes parents, ils doivent être contents de toi. Tu sais que j'ai filmé là en plus. Regarde bien la caméra. C'est beau. T'as mal les couilles d'être sur internet? T'en fous? Oh, mais tu te rends compte, c'est filmé? Oh, foutez-moi! Oh, moi aussi! C'est quoi, je vais y repenser, mais je pense pas qu'on va te flouter, hein! Histoire que tu crois que c'est normal! Et toi, je fais le sport là-bas aussi! Ouais. Et tu l'as rencontré où, ce gars? Ben, je l'ai rencontré en étant à la Valentine, il y a deux elle ans. Était seule? Ça. Ouais, elle était seule. Elle t'a toujours dit qu'elle était seule? Ouais. Et toi, elle t'a toujours dit qu'elle était quelques copines? Ouais? Voilà, je t'ai jamais posé de questions? Non. Et genre, tu comptais envisager, parce que lui, il nous a parlé tout à l'heure, il nous dit qu'il se fiançait avec. Ouais, je voulais me fiancer avec elle, en la demandant mon. Non, heureusement, tu l'as pas fait, hein, parce que moi, quand tu te maries, tu te fiances, tu fais des enfants, et après, regarde. Tu as les cornes comme celles de Bambi. C'est chaud. Ah bah. Non, mais bravo, franchement, bravo. C'est quoi? Alors, attends, c'est quoi? C'est ta voiture, ça? Ouais, c'est mon. Laisse-la en chien. Moi, ce que je te conseille, laisse-la en chien ici, toi, laisse-la en chien ici. Laissez-la en chien ici, les gars, rentre à pied, frérot. C'est bon? Mais bro, et prends son numéro, prends son. Non, attends. Parce que nous, donne-lui le numéro, vous restez en contact quand même, comme ça vous discutez. Parce que nous on filme là, mais après tu vois, nous on est pas, on va pas être là tout le temps, tu vois. Prenez, changez les numéros, vous discutez, machin. Ah, qu'est-ce qu'il fait? S'approcher un peu trop de la voiture, vas-y, dégage la voiture. Comment ça marche là-bas? C'est bon, vous avez changé le numéro, les gars? C'est bon? Et heureusement que toutes les femmes sont pas les appelez-vous, mêmes. Appelez-vous les gars, appelez-vous. Hein? Attends. Non, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Pourquoi il freine? Qu'est-ce qu'il fait? Non, putain. En gros. Arrête, frangin, arrête. C'est bon, on sait, on est au courant de Chalina, c'est normal. Tais-toi, vas-y, pars-toi, dégage. Mais attends. Oh frérot, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prends un couille ou quoi? Viens, mais calme-toi. C'est bon. Lui, c'est... Oh, gros, imagine, toi, ça fait 2 ans, lui, ça fait 3 ans, il est avec, frère. Il vient de te. Oh, gros, imagine. Mets-toi à sa place. Genre, lui, ça fait 3 ans, il est avec elle. D'un coup, il la découvre, elle est dans une voiture à l'arrière d'une manquette avec toi. T'imagines, lui, c'est encore pire et pourtant, il est plus calme que toi. Reste tranquille, frère. Ah ouais, ça va rien. Ça va rien. Lui, il est tellement dégoûté qu'il a même plus de réaction, peu cher. Tu vois ce que je veux dire, frangin? C'est bon, ça va rien. Reste tranquille, attends qu'elle se taille. Dès qu'elle est partie, reste un peu avec nous, fume une cigarette, tranquille, détends-toi. C'est bon, ça sert à rien de faire des actions comme ça, mon frère. Oh, tu es filmé en plus, tu vois ce que je veux te dire? Là, je foutrais ton visage, moi, y'a pas de problème. Ton visage, il sera flouté, tu vois ce que je veux te dire? Mais imagine, frère, y'a des caméras de surveillance ou quoi? Tu vas frapper comme ça, les condés arrivent, tu vas aller où, frère? Ça pour une gadji? Laisse frère. Voilà, internet, donc cette vidéo, elle a failli mal tourner quand même. Là, je suis encore avec Eric et William. Les deux, au final, ils se sont, vous voyez, c'est bien parce qu'ils se sont unis contre la gadji parce qu'en fait, c'est une grosse. Elle a trompé. Ouais. Après ça lui donne du travail pour les bips aussi, donc pas trop non plus, tu vois. Donc le foutage des bips, il fait des chichis. Donc donc voilà, je suis content. Après bon, il s'est un peu calmé, William, là ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on discute. Il a compris, la gadji à mon avis elle a dû partir loin. Comment ça s'appelait, Delphine, c'est ça? Donc Delphine, voilà, Delphine, sache que si tu vois cette vidéo, tu as la chance qu'on n'a ni ton nom et qu'on ne montre pas ta photo et qu'on te fout ton visage parce que tu mériterais des calbottes dans la tête. Des calbottes, parce que faire ce que tu fais, c'est dégueulasse. Voilà. Donc ces deux jeunes-là, ils sont apparemment restés en contact, ils ont échangé les numéros. Si elle revient à la charge ou quoi que ce soit, ben, à partir de là, ils se mettront d'accord. Mais je pense que cette fille, voilà. Si vous voyez une Delphine à Marseille avec les cheveux noirs et des tétons qui pointent, faut pas y aller, d'accord? Ne restez pas avec elle, n'allez pas parce que c'est une grosse. Elle est bizarre. C'est une fille assez bizarre, voilà. D'ailleurs, je sais pas comment vous êtes pour rester 3 ans avec elle. Puis après, il commence à avoir des doutes et tout, donc c'est assez bizarre. Et bon, voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. L'important, c'est que ces deux personnes-là soient plus avec cette fille-là et qu'au final, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de violence. Voilà. Bon, après, William, il a failli. Voilà, non, mais William, il a le sang chaud, tu vois. Donc, voilà. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez
prendre. Si la casquette elle vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. Si des t-shirts ils vous plaisent, n'hésitez pas à aller les prendre. C'est sur www.futuratech.com. Voilà. Donc merci à tous. Il y a le Snapchat aussi qui est disponible. C'est Camoff, C-A-M-O-F-F. Voilà. Pour suivre un peu les interventions qu'on fait, pour être en avant-première, on va dire, sur nos interventions et sur nos vidéos, n'hésitez pas à nous rajouter. Bon, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.